Mes amis, vous savez très bien que nos compatriotes islano-gauchistes sont un petit peu dans le deux poids deux mesures. Hein. Systématiquement, il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire que chez eux, ils sont ultra-identitaires, nationalistes, communautaires, enracinés, fiers de leur héritage, de leur culture et de leur religion. Et en France quand un Français essaye de faire la même chose dans le pays de ses ancêtres, un Français autochtone, hein, j'entends bien sûr, il y a des Français d'absolument euh, tous les coins du monde, il y a des Français de toutes les nationalités, de toutes les couleurs, euh, de tous les genres, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais quand un Français autochtone, un Français qui est là depuis toujours, hein, lui essaye d'être un petit peu identitaire, un petit peu communautaire, un petit peu enraciné, un petit peu, euh, comment dire, tatillon sur la façon dont on vit euh, sur la terre de ses ancêtres, là, c'est un mazis d'extrême ultra méga ziga droite. Pourquoi Alors, nous, les droitards, on a attaché à la logique. Donc on dit, mais c'est pas logique Chez toi, t'es identitaire, nationaliste, et chez moi, t'es sans frontieriste globaliste. Ça n'a aucun sens. Bah si, ça a du sens. Hein Parce que imaginons que tu sois dans un esprit de conquête. Tu voudrais que les tiens soient forts et que tes adversaires, ceux qui habitent la terre, que tu as envie, euh, comment dire, d'habiter. <laughs> à côté d'eux ou euh, à leur place, eh bien, euh, tu as envie qu'ils soient faibles, qu'ils n'aient pas envie de se défendre. Hein. Donc forcément, les tiens, tu vas les regrouper autour d'un projet commun, d'une identité, d'une culture, d'un héritage, et euh, tes adversaires, tu vas leur dire, non, ça sert à rien, sois individualiste, rejoins-moi, euh, ne pense rien, tu n'es rien, tu n'existes pas, pourquoi te battre Ce pays n'a aucun sens, pourquoi t'attacher à ce territoire il ne t'appartient pas, il n'appartient à personne, tu n'as jamais existé. Voilà. La logique est là. Voilà. Et quand on a compris cette logique, on comprend plus de choses. Alors, on va voir que cette euh, logique a atteint son paroxysme dans ce conflit absolument somptueux qui oppose en ce moment même l'Algérie et le Maroc. Il y a un Algérien qui a pété un plomb sur une télé algérienne. C'est un chroniqueur dans l'émission Les Grandes Gueules on va voir ça aussi. Et du coup, il a été viré carrément de l'émission des grandes gueules, suite à ses propos sur une antenne étrangère pourtant, mais je veux dire, les, les, les propos sont tellement graves qu'il y a eu conséquences en France. En revanche, les islamo gauchistes pro-palestiniens du vivre ensemble et de euh, l'intersectionnalité, d'origine algérienne, qui se réclament de leur double nationalité algérienne, de l'autre, de leur identité algérienne, et ça, n'ont rien trouvé à dire. C'est bizarre. Oh, C'est étrange. On va regarder ça tout de suite. Hein. Je ne vois que des salopes parler d'Alpha, j'ai prochainement mis en toi, t'as fait caca, assez ah, blabla, c'est pas Twitter, allez pas ça. Dégale, ça met, décale, 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 si ça met, déballe, décale, décale, c'est jamais. Alors je connais pas le niveau, euh, le niveau de sensibilité de all News 24 à propos des droits d'auteur. Donc, je vais euh, m'en prémunir en diffusant seulement l'audio, les amis. On va regarder ensemble. C'est lui hein, qui euh, s'exprime. Il s'appelle euh, Mehdi Gezar et euh, C.L. Klaouis, qui est, je pense, un Marocain, Commente, après on va écouter sa prise de parole. Tu as sombré dans la folie, tu dénigres et insultes tes frères marocains. Les retombées pour tes business vont être fatales. Force au Maroc et au Maghreb, tous unis contre tout. Euh, ces nationalistes dégueulasses et sans dignité. Et on va donc écouter ce bon Médi qui pète un boulard. C'est l'impression d'être chez Narcos, quoi. vous savez, Narcos, les séries Netflix. Il y a de tout. Vous voulez voler un enfant, il y en a. Vous voulez violer un enfant, il y en a. Vous voulez acheter de la drogue, il y en a. Vous voulez de la prostitution, il y en a. Vous voulez des casinos, il y en a. Bah, bah, Excusez-moi, c'est tout une sauf une un vie, pays. Hein, c'est en fait. tout sauf un pays musulman. Il faut se dire les choses. Donc à un moment, euh, les bases... À un moment que... Alors... C'est bizarre parce que dans beaucoup de pays musulmans, d'ailleurs en Irak, ils sont en train de réformer ça. Ils sont en train de passer de 13 ans à 9 ans. Tu peux épouser des enfants dans beaucoup de pays musulmans. Donc, a priori, quand il y a pas de mariage, c'est grave. Mais quand il y a mariage, c'est pas grave. Bon, peu importe. Bon, en gros, il est en train de dire qu'il y a beaucoup de choses au Maroc qui sont condamnées par l'islam. Le tourisme SUL, bon, c'est vrai que c'est une réalité. Malheureusement aussi avec des enfants. Malheureusement. Et ça, c'est absolument terrible. Après, bah, c'est le Parti Socialiste, hein, peut-être, qui a inauguré euh, quelques euh, parcs d'attractions là-bas aussi. Hein, hein, Pierre Berger euh, et d'autres qui sont vivants que je ne peux pas citer. Hein, Yves Saint Laurent, tous leurs petits amis, leurs petits potes à la compote, les gens qu'ils ont financés euh, tout le long de leur vie. Il y a eu pas mal d'histoires avec des mecs qui se sont fait... Euh, des, des, des dignitaires français qui se sont fait choper là-bas directement en train de parsouser avec des gosses. Donc... Euh, voilà, je veux dire, la France a une part de, enfin la France, nos élites dégénérées ont une part de responsabilité dans tout ça, et j'aimerais les voir emprisonnées voilà, hein. parce que souvent, quand tu dis euh, des choses par rapport à l'Algérie ou au Maroc, on te dit ouais, mais vous, euh, vous venez dans notre pays pour euh, faire je sais pas quoi. Non, je, je n'ai jamais rien fait, moi. J'ai jamais touché un gosse dans aucun pays, euh, et surtout pas. Euh... Enfin, je, je touche pas de gosse quoi. De quoi tu parles en fait Je déteste ces gens. Encore plus que toi, je pense. D'accord Donc euh, ne me euh, m'amalgame pas à euh, Sois gentil. Le Maroc essaie de s'immiscer. C'est juste petit, mais c'est au niveau du pays, de, de toute façon, par la taille et par, le peu, bah, par, 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 par leur gouvernement. Mais je vous le dis et je vous. Il, avait, il allait dire peuple, hein, par la taille et par le peuple. Après, il a dit euh, par le gouvernement. Je vous le dis en toute sincérité. Mmh. Euh, c'est juste très bas. C'est juste minable, c'est misérable. Mais ça ne m'étonne pas venant d'où ça vient. Ouais, encore une fois, ça ne m'étonne pas. C'est évident De manifester son mécontentement, sa solidarité avec le peuple de Gaza par décret royal. C'est interdit. En gros, il est en train de dire que le roi Mohamed VI ou VIII, je sais plus, a émis un décret qui interdit aux Marocains de manifester en solidarité avec Gaza. Parce qu'a priori, euh, le roi du Maroc est très proche du pouvoir israélien. Donc voilà. Il risque... Et les Algériens sont très pro-palestiniens. Bon, on attend des actes, mais a priori, ils font que parler. Hein. Ils parlent beaucoup. Hein. Peut-être qu'ils sont pas assez. Peut-être qu'ils sont que dix fois plus. C'est pas assez pour attaquer Israël. Je ne dis pas qu'il faille attaquer Israël, mais c'est bien beau de parler, parler, parler. Au bout d'un moment, ils sont fatigants un petit peu quand même. Hein. Des peines de prison. Ils risquent mais... de rentrer en prison. Dis... Ils n'ont pas le droit d'en parler dans les mosquées. Bite Allah, ils n'ont pas le droit de dire, nos, euh, euh, nos frères palestiniens sont en train de mourir sous les bombes. Il faut rajouter quelque chose, Mahdi. Oui, mais ça sert à quoi de le dire en fait ça, ça fait 30 ans, moi j'ai bien connu des Algériens, bon, des Kabyles la plupart, il y en avait qui étaient très euh, émotionnellement euh, impliqués dans ce conflit, et qui me disaient, ouais, un jour j'irai me battre contre la Palestine, etc. Ils n'ont sont jamais rien fait, ils sont toujours dans leur euh, pavillon euh, en banlieue euh, d'Île-de-France, d'accord qui se la ferme au bout d'un moment, c'est bien mignon quoi. Mais... C'est que le véritable. Ça sert à quoi d'être autant impliqué dans un conflit auquel tu ne vas jamais participer, qui n'a pas de résolution euh, possible, en tout cas dans le sens où tu voudrais euh, voir les choses se dénouer. Donc euh, ça n'a aucun sens. Au bout d'un moment, il faut lâcher l'affaire. Quand tu n'as aucune prise sur quelque chose, au bout d'un moment, il faut lâcher l'affaire. Sinon, tu deviens fou. Ah, Peut-être qu'il y a des gens qui aiment être fous, hein, qui aiment euh, s'infliger des problématiques irrésolubles pour pouvoir avoir le loisir d'être fou et, euh, je ne sais pas, peut-être d'alimenter indéfiniment un somme qui est leur énergie vitale, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être, peut-être. <laughs> soyons fous, soyons fous. Ce décret, c'est le conseiller du roi Mohamed VI, André Azoulay. Ah, grand. Ah, partisan, il soutient l'État sioniste, qui a la nationalité de l'entité sioniste. Tout à fait. Il sera de, faut rappeler il que... Il a toujours été là. Bien sûr. Depuis, même à l'époque de son père. Il faut rappeler aussi que... Ils étaient trop contents Quand ils ont dit André Azoulay Identité sioniste Oh là là T'as l'impression Que t'es dans un album De Fris Corleone Et ça C'est Même Soral Il est choqué <laughs> C'est incroyable Donc voilà Les gens n'ont pas Trop goûté euh, Les sorties De notre ami euh, Mehdi Je crois hein, Si je ne me trompe pas Et euh, du coup Il y a eu des réactions Hop là Son garage le monsieur se cache, mais ben après je. Découdre, je voulais m'expliquer. Bon, peut-être serait parti en couille, tu vois. Donc, a priori, lui, c'est un Marocain qui a envie de s'expliquer avec Mehdi et peut-être se bagarrer avec lui. Mais apparemment, le monsieur se cache. Il répond plus au téléphone et j'en ai appris des bonnes. Hein. En fait, ce garage-là, il a... Lui. Les autres commerces, je dirais pas les noms. La chicha. Il euh, y a deux chichas. Une à Boulogne, une à Paname. Je crois un resto, je sais pas quoi, ses associés étaient des Marocains. C'est pas une dinguerie, frérot. Mais apparemment. Je croyais qu'ils étaient tous français, c'est genre je ne comprends plus rien. Je comprends rien à ce qui se passe dans ce pays. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Mais, mais vous êtes français, arrêtez de dire ces choses-là. Si moi je les disais, on me traiterait de nazi. Si je disais, non, toi t'es Marocain, toi t'es Algérien, on me dirait que je suis nazi. D'accord Alors pourquoi vous vous le dites Ça n'a aucun sens mais bordel demain cette de crotte de zut hein les Marocains avec il associé. On se fout vraiment de notre gueule les amis, je vous le dis tout de suite. Hein. Même on se fout royalement de notre gueule. Et le pire, c'est qu'on en mange. Malgré nous, on en mange hein. Mais si tu es français Je vois Eric Zebour en train de dire ça à la télé. Mais si tu es français, pourquoi C'est incroyable. À 6000 toi, mon frère français Téléphone C'est génial, c'est génial sont de ouf et vont le virer des affaires donc ça veut dire on va pas on va essayer de pas tout mélanger donc après priori, voilà, ils sont un petit peu énervé insulte le mari. insulte le mar... alors lui si je me souviens bien c'est le mec qui voulait manger une chèvre vivante à Colanta c'est-à-dire qu'il avait pris une machette et il allait euh, découper vivante une chèvre pour la faire griller il avait trop faim il était à Colanta il n'avait pas prévu d'avoir faim donc il avait faim et euh, on lui avait dit non, tu ne peux pas faire ça parce qu'en fait cette chèvre est pleine. C'est-à-dire qu'elle avait un bébé dans le ventre. Et lui, il a dit, bah les couilles frère, s'il y en a un qui euh, m'empêche de la découper, je le découpe. Donc voilà, a priori, il est un petit peu nerveux, ce monsieur. <laughs> il aime la viande, il aime beaucoup la viande. <laughs> Et il est français, souvenez-vous-en, attention. Parce que même s'il dit, ouais, je suis marocain, il est français, souvenez-vous-en, attention. Vous n'avez pas le droit de dire la même chose que lui. Hein. Sinon, vous êtes des nazis, d'accord et lui, c'est euh, voilà. un citoyen français, c'est un concitoyen. Okay. Maroc, tu nous insultes aussi nous. Quand tu insultes l'Algérie, tu, ins tu nous insultes aussi nous. Quand tu insultes les Tunisiens, tu nous insultes aussi nous. Quand tu insultes les Sénégalais, les Maliens, quand tu insultes les Musulmans, tu nous insultes aussi nous. Sur ce coup-là, là, là t'as vraiment, vraiment merdé. Ok, pourquoi pas, why not, why not, why not, ok, ok, ok. Ok, du coup il y a une réaction de la part de RMC. On a nos amis, les petits quecos aux légumes des grandes gueules. Alors, ils portent tellement mal leur nom. <laughs> les macronistes, euh, les macronistes avec, euh, comment dire, un dixième de la testostérone de ma fille de 8 ans. Voilà, ils sont chauds, ils sont, euh, ils sont plus énervés que le macroniste de base. Ils dénoncent, ils dénoncent des voix, ils disent « ouais c'est bon, ça suffit un petit peu, euh, ma fille elle s'est quand même fait pointer quatre fois cette semaine ». Au bout d'un moment, je dis euh, « ça suffit ». Voilà, j'ose lever un petit peu le ton. <laughs> bon, allez, écoutons. Suite aux propos inacceptables tenus par euh, Mehdi Ghezhar sur une télévision étrangère, la direction de RMC et l'émission Les Grandes Gueules ont décidé de mettre un terme à la participation de Mehdi Ghezhar à l'antenne. Que ce soit RMC ou les animateurs des Grandes Gueules se désolidarisent de ces propos tenus Bien à sûr. titre personnel, ceux-ci ne correspondent pas aux valeurs d'RMC et DGG, GG, point final, pas d'autre. Alors, euh, c'est-à-dire les valeurs de quoi Les valeurs de, 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 de Pierre Berger Je ne comprends pas en fait. Bah enfin, oui, voilà, il a dit plein de choses très méchantes, hein, mais voilà, je veux dire, oui, je pense que c'est vraiment le côté un petit peu antisémite euh, qui a été vraiment la goutte d'eau, je pense. C'est ça qui a été... Euh... On ne peut pas valider les amis, et puis le Maroc, c'est un pays ami. Hein euh, Brigitte et Macron, Emmanuel, euh, ils, ils imaginent qu'ils ont leur petit riade avec BHL, et ça, ça doit très bien se passer. Alors en revanche, il y a deux personnes qui n'ont rien dit deux personnes qui se euh, revendiquent. Euh, de l'Algérie sans arrêt, qui dénonce sans arrêt les discriminations faites sur la base de l'appartenance ethnique, euh, nationale, euh, je ne sais pas quoi, euh, des individus. Mais là, bizarrement... On les a pas entendus, c'est notre bon Jimmy, Jimmy euh, de Neuronos, et Camille, le débile, Camille le débile, j'ai pas trouvé d'autres rimes, mais c'est pas mal. Alors c'est deux génies, les mecs, hein. faudrait il faudrait qu'ils fassent un duo un jour, je pense qu'on pourrait avoir Dumb and Dumber, mais sauf qu'on serait pas dans le 15e degré, on serait dans le premier degré. Dumb and Dumber, directement, en fait... Hey, bonjour, quelqu'un a caca, voilà. Ce serait leur, euh, leur sketch le plus connu. Quelqu'un a caca. Je pense que voilà, on est sur de l'écriture de très haut niveau. Eric Ramsey. Ce serait Racine et Molière à côté. Je vous le dis tout de suite. Ok. Donc voilà, eux, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas réagi du tout. Absolument pas. Tout ça pour en arriver là, les copains. Toute cette vidéo pour en arriver là. Eux ne réagissent pas. C'est bizarre. Mais c'est bizarre. Si moi j'avais dit le quart à propos de l'Algérie ou du Maroc, les copains, ils seraient en roue libre depuis 24 heures sur mes côtes en train de... Voilà, c'est sûr et certain. N'importe qui, en fait. Ma petite nièce, mon boulanger, Marine Le Pen, qui aurait dit Ouais, peut-être que l'Algérie, euh, au bout d'un moment, faudrait les remettre à leur place. Quoi euh, Bombe nucléaire, Marine Le Pen au goulag, voilà. Là, le mec, il, il, il contre-chie. Il fait carrément des murs en partant de caca sur le Maroc. C'est-à-dire qu'il trouble un petit peu l'ordre public du. Euh, comment on appelle ça C'était comment Maghreb United. Hein où sont les Rimka, où sont euh, tous ces gens hein, pour euh, célébrer le Maghreb United À mon avis, c'est de moins en moins United. Ça va peut-être très mal finir au bout d'un moment, quand même. Donc il faudrait peut-être un petit peu euh, prendre des risques de temps en temps, mon bon Jimmy, mon bon Camille, hein, et puis peut-être faire un sketch pour essayer de, 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 de tourner tout ça en dérision et euh, dire caca méchant caca, euh, discrimination racine, Algérie, Maroc, copains frères. Euh, caca pas caca, voilà un truc comme ça et on pourrait euh, vraiment monter le niveau et peut-être comme ça balayer toutes ces tensions d'un revers de main et on a besoin de génie, on a besoin de, de, de lanceurs d'alerte, on a besoin euh, d'éveilleurs d'esprit, euh, d'annonceurs d'amour de vendeurs de rêves, <laughs> soyez-les pour nous s'il vous plaît les gars on a besoin de ça, hein. et arrêtez de toujours taper sur les mêmes là c'est vos histoires, si on est regardez euh, on est à la maison là mais à la maison, c'est-à-dire que même leurs euh, leur photos de profil, etc., c'est que des trucs qui ont un rapport avec leur communauté, etc. Mais là, pff, quand il y a des troubles entre les communautés, ils ne veulent pas prendre parti. Est-ce que c'est de la lâcheté Est-ce que c'est de la lâcheté Je ne sais pas. C'est à vous de faire votre propre euh, avis sur la question. Je vous laisse. Y aller les gars. À plus tard. Et ciao. A hein plus tard. Abonnez-vous. Merci beaucoup. Super. Génial.